femmes cette fois maintenant avec les hommes 17-24 ans. Et attention, la Duke à la marche, c'est lui pour l'instant qui réussit le meilleur départ et qui prend la course en tête. Oh, ça a raccroché quelque peu là dans le premier virage. Et finalement, oui, c'est Marc Deron là qui en fait les frais, qui reste là sur le bord de la piste. En tête de course, donc toujours Lucas Lamarche pour le moment. En tête cette demi-finale, Antoine Lecanière, le pied de Tecler, occupe lui la deuxième position. Ça revient derrière maintenant avec Julien Dubois et Tony Lambert. Julien Dubois à la troisième place et Tony Lambert qui devrait lui aussi pouvoir se qualifier. Allez, deuxième demi-finale, nous sommes toujours avec les 17-24 ans, bien évidemment. Il va falloir s'arracher là sur la première ligne droite pour espérer tout à l'heure participer à la finale. Et pour l'instant, c'est le pilote de l'équipe, Maxime Sorel, bien évidemment. Qui a pris la meilleure départ pour plus tard, Thibaut Thierry, dans deuxième position. Il y a Rémi Bonin qui est dans le coup. Le pilote d'Issouet, également Johan Rousseau, le pilote de Montesson, qui occupe la 3e place. Il a fait tous les extérieurs du second virage pour ressortir maintenant en 3e position. En tête de course, donc toujours pour l'instant, c'est le plus fort, Maxime Sorel, bien sûr, Thibaut Thierry. La deuxième place, il y a une reçue au troisième. Et attention, la lutte entre les pilotes d'Issoua maintenant pour la quatrième place.